Hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce deuxième épisode du Let's Play Découverte de du nouveau Game Pack Loup-Garou avec Simonet hein, que l'on a découvert, qui est loin d'être une figure de mode, d'être quelqu'un d'attractif. Et en plus, il lui prend des crises de paranoïa. Le pauvre petit, est devenu loup-garou à la dernière fois. Un beau loup-garou, il a déjà cassé la gueule à une ado. Parce qu'il tient sa vengeance, parce que ce pauvre petit adolescent, vu son pauvre physique peu avantageux et ses passions pour les livres, eh ben, lui a pas fait que du bien dans ses précédentes relations avec ses amis à l'école. Et là, il vient, tient sa revanche en étant un loup-garou. Eh bien, tu vas déjà aller faire caca sauvagement. Fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Sauvage paniqué. Il va lui faire son petit caca. Il va manger un truc. Alors, j'ai changé un petit peu la maison. J'ai changé un tout petit peu la maison pour qu'elle soit un peu plus mignonne. Voilà. Parce que j'ai commencé à changer sa propre chambre également. À faire quelque chose de plus sympa. Et qui lui correspondait un peu plus, voilà, dans les univers dark, univers loup-garou, des bouquins aussi un peu partout, des posters, voilà, ça lui ressemble un peu plus. Et regardez ce qui se passe, il y a une griffe en bas de son lit. Et il a un nouveau moodlet, Sim Frel. Ah, franchement, est-ce que l'adversaire pensait vraiment que Simon allait perdre? Mais non, moi je le savais que t'allais t'amuser, mon petit. Allez, tu peux aller dormir. Rejoindre tes pénates, ton univers à toi, de ta petite chambre. Et maintenant, il est confiant, hein, il est sûr de lui, c'est l'effet loup-garou. Hein. Eh mais regardez-moi ce physique d'athlète, d'Apollon, là, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est pas censé être musclé, en fait. J'étais pas sûre, quand il avait sa veste, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est musclé, mais là, ça va pas du tout, il est censé être tout frêle. Bon, bah écoutez, la transformation loup-garoustique lui est plutôt favorable. Pour l'instant, en tout cas. Qu'il arrive, grand triste loup se sent coupable à propos de quelqu'un à proximité. Simon se sent horriblement coupable de faire peur à ses proches. Parfois, ce n'est pas facile d'être une bête. Mais t'as peur de qui? Ah oui, non, et c'est vrai, il avait fait peur à ses parents. Oh, marde. Est-ce qu'il peut pas s'excuser? Je sais pas. Discuter du fait d'être loup-garou. Ouais, vas-y. Discute avec ton père. Parce que là, il faut que tu... Voilà, c'est pas de ta faute. Enfin, c'est pas de ta faute. Si, un peu. Mais je veux dire, tu voulais pas leur faire peur, quoi. Ah, c'est ça. Hein. Il peut s'excuser envers sa mère. Donc, bah, il va s'excuser. La pauvre, elle a été terrifiée de voir son petit garçon devenir une grosse bête poilue. Bon, en attendant, il est dimanche, 9h du matin. Peut-être que on va aller voir... alors, on va venir voir lui. Parce que lui fait partie aussi de l'autre gang de loups-garous. Hein. Voilà, bah, ça se voit de toute façon vu comment il mange. Les trucs de la lune qui a son... Voilà, son leur coin, c'est ici, quoi. Voilà, mais nous, on fait partie des autres. Des jeunes. Konnichiwa, je ne sais pas comment on dit le bonjour déjà. Enfin bref. Bonsoir, comment il s'appelle? Wolfgang. C'est un loup, donc il s'appelle Wolfgang. Bien sûr. Je ne sais pas comment la statue lunaire de Moonwoodmill reste synchronisée avec la lune. Soit c'est de la magie, soit quelqu'un s'y connaît beaucoup plus en mécanique que moi. Ah oui, d'accord. En vrai, j'ai envie qu'il découvre un peu les souterrains, là. Donc il va aller voir les tunnels. Ah, il voulait faire ses devoirs. Ouais, non, mais tu feras ça une autre fois. Voilà, il est parti dans les souterrains. Donc, en fait, c'est un trou de lapin. Hein. C'est-à-dire qu'on aura des pop-up. Voilà. Mais on n'y sera pas vraiment. Je sais pas s'il y a un terrain à trouver ou pas à travers tout ce qu'il y a. Donc, ben, écoutez, on va découvrir. Le souterrain. L'une des cabines de toilette portable a un graffiti représentant une flèche vers le bas indiquant un passage souterrain sombre. Quand Simon descend, il se retrouve dans ce qui se... Dans ce qui semble être une série de tunnels creusés profondément sous Moonwoodmill, où mène-t-il? Eh ben, on va le savoir. Des chemins qui se séparent. Alors que Simon rampe sous un plafond particulièrement bas, il remarque que le tunnel se divise devant lui en trois chemins. De l'un des chemins parvient une mélodie faible mais magique, d'une deuxième une vague d'odeur d'ail, et du troisième une bouffée d'air frais bienvenue. Je pense que l'air frais, ça veut dire la sortie. On va se diriger vers la mélodie magique. Une présence. De manière inexplicable, Simon ressent une peur soudaine. Il regarde autour de lui dans l'obscurité, mais ne voit rien qui aurait pu provoquer cette sensation. Pourtant, il a l'impression que quelqu'un le regarde. Et c'est effrayant. Tu m'étonnes.
Et du coup, il a petit moodlette qu'il a peur quelque chose me regarde. Simon a la sensation nette et effrayante que quelqu'un ou quelque chose le regarde. Oh, la petite musique. Une pièce enchantée. La musique captivante disparaît alors que Simon arrive dans une grande pièce ronde avec un immense relief sculpté dans le mur. Des cristaux bleus céruléens incrustés rayonnants diffusent suffisamment de lumière pour que Simon puisse comprendre l'histoire représentée. L'œuvre décrit un conflit magique entre deux camps, dont l'un aime le plasma et l'autre tire son pouvoir de la lune. Ah, là on parle bien sûr des vampires et des loups-garous. Les rats. Simon repère quelque chose sur le sol devant lui. On dirait que ça bouge. En se rapprochant, il réalise que c'est un petit groupe de rats. Ouh, yes. Qu'est-ce qui les fait se regrouper comme ça? Ah! Des ordures. Il a reçu... D'accord, il a trouvé quelque chose, il a reçu un tas de déchets. Mais c'est super, dis-moi, qu'est-ce qu'on va en faire des tas de déchets? On n'est pas dans l'écologie, là. Hein. Des chemins qui se séparent. Simon tombe sur un minuscule précipice et saute par-dessus. De l'autre côté, le tunnel se divise en trois. Une mélodie faible, étrange mais presque magique, semble émaner de l'un des chemins. Le deuxième est couvert de vieux débris rouillés. Et le troisième dégage l'odeur de l'ail frais. De l'air frais, pas de l'ail frais. On va avancer parmi les débris. Allons-y, soyons fous. Oula, il y avait un bruit chelou. Le vieux moulin. Plus d'une fois, Simon manque de trébucher sur de vieux objets indéfinis. Il fait trop noir pour déterminer ce dont il s'agit. Même après être tombé sur un gros tas de vieux métal... Vu l'odeur de rouille, il faut probablement mieux ne pas y toucher, puisqu'il y fait trop sombre pour voir correctement. Après, je sais qu'il y a un point à gagner quand on développe nos points de loup-garou. Il y a un point à développer où on voit dans le noir, dans les tunnels. Donc ça, on le fera et on regardera, on verra mieux ce qui se passe et il pourra peut-être trouver des choses plus intéressantes. Quitte le souterrain, Simon aperçoit de la lumière devant lui. Cela doit être une sortie. Ah bah d'accord, bah il est sorti en fait. Ok. Bon, mon chaton, est-ce que tu veux point de faculté? On a deux points. Donc, férocité, sieste de loup, marquage de territoire, dénicheur et toilettage personnel. Ah, bon, alors c'est pas trop ça que je voulais. Faculté en sommeil, maîtrise à la transformation. On peut pas se transformer en fait tout seul, là, Simon il peut pas. Il a pas débloqué ça, donc... Peut-être sa férocité, parce qu'il aime bien être féroce et tout, et loup-garou, désactiver, hurler. Vas-y, hurle un peu. Et à chaque fois, il y a un loup qui répond. Je trouve ça trop fort. Est-ce que si tu fais beaucoup hurler, ça te fait monter tes points? Oui? Non? Oui? Oui? Oui, oui. Ah bah écoutez, on va le faire hurler une bonne dizaine de fois. Hein. Juste que je triche pas du tout, c'est pas vrai. Vous avez pas le droit de dire ça. Oui, on a gagné un nouveau point. Yes. On est toujours au petit niveau, hein. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Marquage de territoire. Ouais, je veux bien, ouais. Ça va me faire rigoler, je le sens. Marquer son territoire. Là, il y a l'air d'avoir des trucs. Vas-y, marque ton territoire ici. Je sens que ça va être terrible. Ah ouais. Mais t'es dégueulasse. Mais non, mal à la gorge, hurle trop. Oh non. Il a trop hurlé, il a mal à la gorge. Simon avait un peu mal aux cordes vocales. Il vaudrait mieux les laisser se reposer un moment. Oh là là. Et là, ils viennent pisser, là. Et ils marchent dedans. C'est dégueulasse. Tiens, tu vas faire une intimidation féroce auprès de ce cher... alors, Johnny, non, on s'en fiche. De ce Brandt, qui est quand même une belle bête aussi, lui, hein, mais... Voilà. En fait, je pense que comme il a été vraiment moqué à chaque fois, et tu vas te moquer de sa tristesse, tiens. Et ben, dès qu'il voit un mec un peu beau gosse, ça l'énerve. Et il a envie de... Voilà, il a les hormones qui partent en furie, quoi. Alors, on est revenu au campement des crocs sauvages. Nous avons Lou qui est là. Tu vas te présenter sympa. Ben, il fait partie du clan. Et Rory qui est en mode... ben... en mode loup. Enfin, tous les deux sont en mode loup, quoi. Vous êtes trois maintenant quand même les enfants, hein. Vous allez dominer le monde bientôt, moi je vous le dis. Ouais, c'est vrai qu'il a faim là, Simon. Simon a faim, faites-le manger avant que sa faim l'empire. Ouais.
Est-ce que tu peux piquer son assiette? Ce serait pas mal. Jorm Adanif, Rajpa Quinayox, Shimpit Lagora, Fanaza Yabens Wajini, Femems, Dolphus Pokem Ravu, Wabanehi, Azig, Ribix Kiranga, Ponka, Yips, Yips. Dag, dag. Ah d'accord, il va se mettre tout seul au sport. Bah pourquoi pas, après tout, il a déjà des muscles grâce à son pouvoir de loup-garou. Ouais bah bon, ça se voit que là, il galère. Hein. Ah bah ça galère. Après, je pense que Rory, étant un jeune adulte, on peut pas inclure encore de romance entre eux. Mais sachez qu'il est possible que si vous draguez l'un des loups du terrain à Moonwood Mill, et ben en fait, les loups ont un truc... qui s'appelle, qui sont prédestinés. En gros, c'est un peu au hasard, mais si vous draguez l'un des autres, peut-être c'est possible aussi. Ben, ils sont prédestinés en amour. Alors vous avez le choix d'accomplir le destin et de les mettre vraiment ensemble, soit de faire autre chose. Mais je trouve ça de rigolo. Ne laisse surtout pas le collectif de la lune te faire culpabiliser parce que tu as été en furie en ville, Simon. C'est juste le cadeau de la lune. C'est juste le cadeau que la lune t'a fait. Vraiment. Et c'est un cadeau efficace. Pense à tous les endroits que tu peux aller voir en courant à toute vitesse grâce à toute cette fureur en toi. Les possibilités sont infinies. Pourquoi vouloir les limiter? C'est vrai. D'ailleurs, tu vas aller marquer ton territoire aussi ici. Y a pas de raison. Ça va être lui le chef, moi je vous le dis. Hein. Le chef. Ah. Il marche dedans en plus. Ah, allez, vas-y. Rentre chez toi, ce que tu pues, c'est horrible. Et t'as faim en plus, donc va falloir rentrer. Ouais, vraiment, quand il mange, c'est pas possible. Après, je sais pas ce qu'il mange parce qu'il y a des trucs bleus et violettes quand même qui tombent de sa bouche, alors que, bon, c'est pas censé être cette couleur-là. Je lui ai demandé aussi également de reprendre la lecture de ses livres de Crépuscule pour voir si ça va aller mieux. Pendant que maman fait un câlin à des ordures. Ah, il se gratte comme un chien. C'est énorme. Il a des puces, le pauvre. Ils ont quoi, les Sims, à venir renverser mes poubelles au bout d'un moment? Ça commence à être chiant, cette histoire. Hein. Vraiment. Ah, il a fini son bouquin? Ah. Non, d'accord. Ok, j'ai compris. Regarde, il se gratte encore... Là, il est content, il a analysé un bouquin, mais en fait, j'ai pas l'impression que ça marche, et pour que son aspiration, ça marche. Je suis toujours à 1 sur 3, alors je suis déjà au crépuscule 3. Bon, il se fait quand même 1h30 du matin, faudrait peut-être que... Bah voilà, super. Ah, 2 sur 3, bon bah c'est top, ça veut dire que ça augmente tout doucement. Je sais pas quel est le troisième, écoutez, on trouvera bien le bouquin qui manque. Hein. Oh, regardez, il est là! C'est Greg! Viens. Viens ici. Viens ici et marque ton territoire devant lui. Ça va le mettre en fureur. Là, il part. Bon, ça va, il reste dans son coin. Faudrait vraiment qu'on puisse lui montrer, là, qu'on pisse devant lui pour marquer notre territoire. Ce serait très drôle. Et hop, le pipi. Alors qu'il est en train de dormir. Vas-y, réveille-le. Il est toujours en furie, lui. Hein. Allez, réveille-le. Il est en train de faire sa sieste. Il est pas mort, je vous rassure. C'est quand même 6h du mat. Non, il va aller se coucher. Tentez de distraire, tentez de communiquer. Tente de communiquer avec lui. C'est un bon gros chaton, ça, qui a des puces. Hein. Oh, oui, mon chat. Mon chat, mon chien. C'est un peu les deux, en fait. Alors? Ça pue dans le coin. Hein. Inutile d'avoir une odeur exceptionnelle, sentir qu'il y a une odeur dangereuse. Mais pourquoi il est parti en courant? Fuir! Discuter! Tu vas te faire attraper par Greg! Regardez! Cette image! Avec Greg qui le regarde, genre, je vais te choper. Mon gars, t'es pas prêt, je vais te ruiner. Je vais t'arracher la tête en un coup de dent. Hey, c'est la Shirley du montage, je viens de terminer de monter cet épisode et comme il atteint
il atteignait les 30 minutes, je me suis dit qu'il valait mieux le couper en deux. Comme ça, voilà, vous avez la fin ici, vous verrez ce qui se passe avec Greg. Et bien dans le prochain épisode qui sera très 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 vite, il va arriver. Vous inquiétez pas parce que c'est déjà monté. Donc moi je vous laisse là, je vous remercie, n'oubliez pas le petit like, les petits coms, les petits partages. Et on se retrouve très vite pour la suite de cet épisode.